rendre compte que le président de la République. Je te parle du problème, le problème. C'est un problème, yo. Non, c'est-à-dire, début, ça, ils ont parlé, ça veut dire nous avons ordre chronologique. En effet. Il dit, monsieur Pape, le président. Mm-hmm. Ok, monsieur le président. Et puis, monsieur monte en gouvernement avec l'équipe nègre, il y ministère, il y a direction générale, et puis il n'y a pas mangé, il n'y a pas évolué. Il y a tout moyen en main, tout le monde qui était proche, il y a tout le moyen en main, et les moyens sont là. Je ne parle pas de toi pour question Jovenel là. Et puis maintenant, subitement, gagner deux mandats faites pour plus ouverture, pour plus moyens, pour plus contrat. Et puis, il y a un problème avec la co-équité. Kounia, j'en sou diam ka identifié monsieur comme problème, non. Mais problème n'a gagné à l'autre groupe là tout, parce que l'autre groupe là gagné doit vler en pile et que monsieur pas ka baye assez. Parce que gagné gote baye ministère éducation nationale, gagné gote baye ONA, n'est que ça ou met ministre ou met direction générale, ou séparé pouvoir gagné gote baye affaires sociales, etc. Maintenant, gon le crivé le fait que gon changement fait, et puis Kounia n'a gagné le pape encore parce que changement fait. Donc, faut nous aller tout dans Trifon Bagala pour nous. Est-ce que ce ne sont pas les politiciens qui sont responsables? Est-ce que Jovenel, comme élément, comme président, il est responsable? Est-ce que pas une structure d'État, mafia, qui l'a? Et quel que soit ça, on est fait. Même j'ai mangé Aristide là, j'ai mangé Michel Matéli, j'ai mangé Bréval, j'ai mangé tout. Est-ce que c'est pas ça qui a passé nous là? Donc, ça veut dire, nous, non, par exemple, ou même, regardez qui j'ai un homme d'État, ou se dit, Gendouba ou pas kadi. Même si en tout, Gendouba un homme d'État, Jovenel Gendouba pas kadi par rapport à ça, Negyo Mandel. Et on connaît, grand pile bagay, que nous connaît, que vous mandez et que vous pas kabay. L'on est que tout un département dans mon. Ou gen délégué, ou gen responsable douane, ou gen responsable hôpital là, ou gen magistrat dans mon. Tout balance, toute structure dans mon net. Ou fait tout comme vous net, ou richissime. Même contrat. Contrat dans la police, c'est au gain. Contrat dans la douane, c'est au gain. Contrat dans APN, c'est au gain. Et puis aujourd'hui, on dit Jovenel Babon parce qu'il a retiré un contrat ou bien un autre contrat dans mon. Donc, on ne va pas parler de Jovenel Gomoun. On ne va pas parler de Jean Pays à Yodia. Nèg ça allait prend la rue. Et puis monsieur dit, ah bah Jovenel, je peux être d'accord avec toi-même. Quand tu dis, ah bah, Jovenel, parce que je suis ami en balle, j'évolue dans le plateau central. Moi, tout son gain comme capacité, comme tout son fait et position, comprends. Mais on est qui fait multimillionnaire, qui fait tout l'argent, et puis qu'on y a là, monsieur dit, Jovenel, pas bon, quitte-le. Mais m'a catégorisé, m'a dit, monsieur, soit le même vient à Jovenel, ou bien le plus mal passé. Parce que c'est nèg qui a fait mauvaise politique de côté. Écoutez, Gary Pierre-Paul Charles, moi je sous question ça, je m'a réservé moins pour pas commenter et de informations que moi-même pas suffisamment maîtrisé. Et c'est certain, moi-même moi toujours Abdil, je fais partie de l'opposition, mais c'est pas que pour moi l'opposition hein, c'est bon Dieu et puis Jovenel c'est diable. D'accord. Donc Jovenel est le diable, mais vous avez également des diables au niveau de l'opposition. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais cependant moi constater que monsieur Jovenel Moïse peut-être aidé par cela ou tank qui peut-être a guidé lui toujours utiliser cette stratégie de bouc émissaire. Donc tout au long de mandat monsieur Jovenel là, il pas jamais passé de stratégie ça à tel enseigne monsieur Jovenel pas jamais raté une occasion pour le pas tirer à boulet rouge des oligarques hein, sous des oligarques comme si c'est moun sa yo qui fait le pas réussi et mon Dieu toujours amusé lorsque map li un titre d'ouvrage un conseiller un puissant conseiller monsieur Jovenel lui écrit ce dont Réginald Boulos est le nom. Mais la vérité, monsieur Réginald Boulos est aujourd'hui dans l'opposition. Mais lorsqu'il était proche de Jovenel Moïse, il y a des avantages que monsieur Réginald Boulos te joigne. C'est monsieur Jovenel en personne qui t'est passé des instructions pour Yobalio. Parce que la vérité, la réalité, une fois que ou proche Jovenel Moïse, eh ben, peu importe que vous soyez bon ou vous soyez mauvais, etc., il suffit d'être proche de Jovenel Moïse.
pour le relayer directeur Lona, pour lui dire, écoutez, monsieur Borin, tout papier, non, mais débloquer 100 millions, 200 millions pour lui. Mais non, ça, c'est Jovenel qui va bon, mais l'autre n'est pas lui-même, lui bon. Ah, et je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Non, je te fais une question. Écoute, non, je n'ai pas dit cela. Moi, dis tout simplement, moi, constater cette stratégie de bouc émissaire. Oui. Automatiquement, où c'est mon Jovenel Moïse, mm-hmm. donc même le, où n'a toute saleté, mm-hmm. ben écoutez, ou son bon bagaille. Ou son bon bagaille. Mais automatiquement, ou pas avec encore, donc, ou t'es gagné plus poste dans le gouvernement, ou t'es gagné plus contrat, etc. Mais la vérité, les relations entre les oligarques et Jovenel Moïse, ben tout le monde l'a constaté. C'est que depuis l'avènement de Jovenel Moïse, si vous me permettez, je prends le temps parce qu'on n'a pas de formation, moi c'est journaliste, oui, oui, oui. Les nappes décantées, en tout cas, avantage oligarque, Gary Pierre-Paul Charles. Un, salaire minimum. En tout cas, depuis quinquennat Jovenel Moïse, salaire minimum n'a pas jamais revalorisé à niveau de tadoué revalorisé. Hein, parce que tout simplement, pour plaire aux oligarques, à certains oligarques, hein, surtout dans l'industrie textile, eh ben, monsieur Jovenel Moïse, pas jamais mettait le niveau que le tadoué mettait là. Un moment. Ouais, j'en passé. Très bien. On dit que t'as l'air sous d'original Boulos. Pour ça, ou pas citer non, APED, dans le textile là, APED, vous dites, tout dit non, APED, parce que si vous ne pas citer dans l'original, tu as l'air de contrat, qu'on a faut parler de APED, dit APED, non, fait textile là. Alors, vous avez dit que, vous ne citez non, monsieur Boulos. Ah non, de vous citer non, Boulos, de vous citer non, Boulos, pas de l'autre, ni pour pas citer non, l'autre, ni. Vous me permettez. Non, mais avec plaisir, avec plaisir. Non. Vas-y. Ok. Oui. Et textile, c'est original Boulos, c'est parce que moi, du et ce fameux ouvrage dont Reginald Boulos est le nom, ok, donc moi dit conseiller ça connaît très bien, gain des avantages monsieur Boulos t'es jeune, c'est parce que il était proche monsieur Jovenel Moïse. À peine jeune avantage ça parce que il s'est proche Jovenel Moïse. Entre autres, et cette affaire de zone franche, et monsieur Appel joigne encore okay? Voilà. Et cette affaire de zone franche, la petite histoire est rapportée, c'était un élément qui fait, moi perdu l'élection, j'en perdu là. Et vous pouvez dire là, vous devez m'écouter, donc on aime comme ça. Ah ben très bien. Donc, 4,2 milliards Petro-Caribé. Mais grand pile oligarque qui gagne l'argent, ça, non mais autour. Tu ça. Oui, ça fait venir la vie. Mm-hmm. Et pas seulement gagner. M'a pas ajouté pour. Yo gagne contrat et yo pas honoré engagement yo. Voilà. Et gagne une nan yo, gagne deux ou trois nan yo excuse-moi. Qui gagne contrat que ba acheté matériel, qui pas remettre matériel là et Nader a protégé yo. Nader qu'a protégé yo. Et Nader s'ouvre venir dit menti. Venir dit menti parce que connaît m'a pas dit qui est-ce et m'a pas dit ça n'est pas PC fait pour qu'a convaincre pour pas faire rien avec. Ah ben bien quand on vient avec ça, ouais. Ça veut dire contrat aussi, hein. Yon bail contrat, mm-hmm. pour acheter matériel, etc. Gagne bail faux matériel, gagne bail mauvais, gagne pas bail matériel pour te bail là, et gagne matériel qui vini. Yon bail même voulait installer ou même, Marco, mm-hmm. yon pas voulait installer ou, sous prétexte yon dit, pas de gagne ça dans le contrat. Et puis Nader a joué. Avec vous. Continue. Voilà. Oui. 70% des contrats les plus importants, parce qu'on connaît, oui. c'est l'État qui baille plus contrats oui. avec entreprise, yo, mm-hmm. entreprise que oligarque yo détenu. Détenu. Ah ben 70% contrats, c'est oligarque qui joigne. Oui, non. non, mais l'État. Je suis tout à fait. D'accord. Location d'hélicoptère, mm-hmm. quand même, Chérif Abdallah. Chérif Abdallah. D'accord. Bras droit du président. Ah ben voilà. Mais l'État, quand même, pendant 5 ans, combien d'hélicoptères coûtaient? L'État est capable. Non, il y a 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Okay. Il n'était qu'à acheter. Il n'était qu'à acheter. Donc, c'est des oligarques qui bénéficient. Nomination presque toute DG la douane depuis quinquennat Jovenel Moïse. Non. Mm-hmm. Mais ce sont les oligarques qui proposent et Mounio doué nommé directeur général la douane. Objection. Oh. Objection. Je vous écoute. Objection, même. Objection. Il y a. Ce problème dans la question de la douane, Marco. Tout n'est tout pensé que c'est une bourgeois. Son grenier qui, comme si qui a gros affaire dans la douane.
mon cher, on nous dit bah là nous dit. Pour qu'est-ce qu'on doit non, Marco Ibrahim n'est que ça vraiment. C'est député et sénateur. Kachita Nobou, qui choisit nègre là, dans le parti politique, et dans le compromis qu'il a fait à Michel Martelly, à Jovenel Moïse, et au mené nègre là, ben tout nègre qui a occupé dans la douane. Je suis au courant. Et j'ai dit, il y a tout le stoum. Et nègre a payé un compte pour ça. Et aujourd'hui, et ben mon qui te mette, celui qui est là est membre de bouclier, de quoi on parle? Celui qui est là est membre de bouclier. Monsieur mon bouclier, donc, il fait partie de l'équipe du pouvoir et que tous les députés, les sénateurs, anciens députés... Alors, pas tous les députés. Non, oui, traversent la frontière, notre frontière, dans le département, dans le département oui, central. Oui. Nous traversons la belle, qu'on va payer. Mais c'est pas produit, n'est-ce pas, c'est non. C'est produit sénateur et député. Donc, il y a un complot, il y a une mafia nationale composée de Oliasia qui est russe là et l'autre nègre qui vit nouveau russe, sénateur et député pour piller pays. Ils sont des responsables. Alors, la Jour concède sénateur et député une toute petite minorité. Il n'y a pas plus que 10. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais tu es d'accord avec moi. En effet. Mais ils sont très puissants. Très puissants. Plus de 20 milliards de franchises, Wagner. Mais c'est oligarque. C'est pas malheureux, il va aller qu'à le vendre chaque jour, Gary Pierre-Paul Charles, pour obliger à payer l'école pour lui, l'autre, etc. Oui. C'est pas mon qui soutient Tibi et la Caille Marco qui oui. bénéficie dans le monde. Ou bien la Saint-Michel. Voilà, c'est les oligarques. Oui. D'accord. Sur ce dit-là, on a dit là, c'est eux-mêmes qui viennent faire 20 milliards. Franchise douanière. Mon cher, attendez, on avance. Nous sommes en train de faire une émission. Hein? Il faut dire également. Que l'église catholique te gagne franchise. Au courant. Moi, t'entendais parler de ça. Merci. Donc, est-ce que c'est confirmé? Non, c'est confirmé. C'est confirmé. Au contraire, t'es un scandale, c'est parce que gagne un administrateur te vend franchise. Franchise, côté, l'acheter faire, franchise, et puis il revend. Ça te crée un problème avec certains monde qui n'en fait et qui fait un problème pour ça. Donc, ça veut dire. Il n'y a plus de problème, on va faire franchise là. On va faire franchise, on va pas acheter matériel pour l'État haïtien. Et puis, bon, je dis non, il y a qui décide un gros contrat avec le gouvernement, on va faire franchise. On va faire franchise. Et puis, tout le monde a l'autre business avec franchise là. On va parler là, comme on dit. Mon cher, on va parler bien là sur question ça. Mais ça, bon, je il n'y a pas qu'à un grand monde, ils sont mafia. Et Marco, ils sont pas franchis là depuis 15 ans tout. Depuis 15 ans tout. Donc, pour voir que la carrière renforcée, mais depuis 15 ans, depuis 2004-2005, sous la tortue. Sous la tortue. Et puis le monde est bénéficié de franchise douanière. Oui. Les sont les périodes ça. Oui, mais pas quoi grand pile monde. Pas quoi grand pile monde. La franchise. Oui, mais période là, imagine, de 2004 à 2019. On a quitté fait mouvement pour jeter à Isidio. Vous êtes venu franchise et vous êtes fait une séparation. Vous êtes même qui t'a allé, vous prenez tout manger dans le PNH là, vous comprenez? Et puis après ça, vous êtes qui prend la franchise, vous connaissez? Donc la vérité, Gary Pierre-Paul Charles, en tout cas, oligarque prend pile. Nous connaissons. Nous connaissons, vous prenez pile. Même si avec sénateur, tout. Et bien voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un complot. Oligarque prend pile, pratiquement 90%. Yo côté monsieur Jovenel, nous ses amis monsieur Jovenel, libayo des affaires. Le premier nèg qui fait mouvement de au niveau de la frontière, au niveau de la douane. Ah ben voilà. Et au niveau de Jovenel. Ah ben voilà. Donc le discours qui tend à fait croire que c'est oligarchio qui fait me pas réussir, c'est cela que j'appelle discours de bouc émissaire. OK. Oui. Donc c'est là nous. À mon avis, tu le dis, c'est pas seulement yo même, c'est des amis comme nous et tout qui ont le même avantage. Qui mène là avec certains oligarques? Avec certains oligarques. Exactement. Là, des amis qui n'ont pas le mal et qui n'ont pas parti politique. D'accord. Mais maintenant, donc c'est ça que fait par rapport à des éléments qui jouent aujourd'hui à dans l'opposition à Palais. Moi, j'ai dit, même pas prêt à le mettre même dans le Donc, mais il faut que nous reconnaissions, président, une capacité ça pour le faire diversion, pour le faire manipulation, pour le détourner la vérité. Voilà.
gagner en l'autre réalité encore c'est cette affaire de courant 24/24. Mm-hmm. Jovenel Moïse n'est plus président constitutionnellement depuis le 7 février. Mm-hmm. Mais voilà que président bon gâchis sur le plan économique qu'a fait là dans le projet courant 24/24 ça. Donne-moi les informations. L'information, c'est que président dit la pété courant 24/24. Monsieur yo fait acquisition. Ouais, là encore, il dit acquisition. Donc, c'est le moteur. Génératrice. Oui. Qui pas neuf. Oui. C'est le bah, qui était campé depuis 2019. Vas-y. Par contre, quelque part, oui. Yo joigne. Oui. Et projet ça, yo, c'est même pas IDH non qui a piloté. Mm. C'est monsieur Adouin Zéphirin, c'est monsieur Evanson Calix, c'est les plus connus. Mm. Et le président Jovenel Moïse. Mm. C'est que d'un moteur ça yo, pour ta permettre aux communes de joindre 18 heures de temps courant par jour, mm-hmm. pour moi, c'est 45 000 gallons gaz. Pour de moteurs environ 2-3 mégawatts. Mm-hmm. Oh, Gary Pierre-Paul Charles, Marco, nous pourrons jamais passer 3 mois pour voir une crise gaz dans le pays. Mm-hmm. Après ça. Mm-hmm. Comment un président de la République qui t'a voulu offrir un projet durable avec un peuple? Mm-hmm. Et puis, au début, dans le courant 24/24, là, il était parlé de énergie solaire, éolienne, etc. Mm-hmm. Maintenant, dans cette précipitation, peut-être pour faire ristoun tout, pour me reprendre le mot utilisé à Marco, parce que grand pile ristoun dans Baïsa. Donc, il n'y a pas acheté moteuse, il a dit. Puisqu'il n'y a pas de transparence. Ah ben voilà, pas de transparence. Oui, il n'y a pas de transparence. OK. Vas-y. Donc, voilà son gâchis. Maintenant, au capable, avant M. Jovenel quitter le pouvoir, les cabas majorité courant 24/24, oui. Mais on a expérience de vie projet ça, mm-hmm. n'est pas même aller au-delà de 2022. Tout à fait. Tout à fait. Marco, moi je suis d'accord. Mm-hmm. Elle nous dit ça déjà. Analyse ça. Analyse ça correct. Mm-hmm. Et compliment pour ça. Parce que nous ne comprenons pas. Ou pas comme courant 24/24. C'est gaz ou méthadone. L'État très faible. Et nous n'avons pas de travail. Nous avons une capacité pour payer. Donc, dans l'État privé, l'État n'a pas de gaz encore. Nous avons tout de même de quoi. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et là encore, président toujours parlé de transparence de l'institution. Faut qu'Alix plus d'informations sur la. Est-ce qu'on est depuis la fameuse correspondance de ISO à M. Présumé, mm-hmm. M. Présumé pas dans le pays depuis le 12 mars. M. Jetel. Par contre, c'est Jetel. Mais en tout cas, monsieur, son lettre, il a scanné. Et c'est même en plume, ils mettaient date 18 mars. Mm-hmm. C'est comme si son directeur général qui était déplacé déjà. Mm-hmm. Mais elle était déplacée avant l'être qui était bail. Mm-hmm. Que le pas là. Oui. Donc, l'être déplacé là, pas une l'être qui bail. Ils ont scanné ça, le bail précédemment. Mm-hmm. Ils ont effacé date avant. Et puis, ils ont mettaient date 18 mars. Là. Donc, il faut que, payant qu'on est, est-ce que M. Présumé est toujours directeur général EDH? Est-ce qu'il a remis sa démission? Est-ce que le président a changé? Et dans cette correspondance, il dit que c'est le ministre des TPTC qui a pas sur intérim. Mais attendez, quelle incohérence, je ne peux pas comprendre que c'est le ministre qui a pas sur intérim en direction générale. Mais donc, ça veut dire, ou bon, faut travailler à Marco, on doit essayer d'entendre contre avec présumé pour nous connaître. En effet. Et puis pour nous donner un tout, pour nous donner ça, ou bien pour le ministre pour nous demander ça qui passe présumé. Qui ça gagne comme conséquence? Gary Pierre-Paul Charles, un dysfonctionnement de bureaux et des HO, surtout dans les villes de province, oui. Même dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mm-hmm. Il semblerait que M. Présumé et le gouvernement, le régime de M. Jovenel Moïse, contrairement à ça, ils ont dit, ils voulaient privatiser EDH. Qu'il y a là, même le bureau commercial EDH dans ville-province, mandez un transformateur. Non, pas joindre. Il n'y a pas joindre transformateur, pas gagner machine. Et compteur tout. Il n'y a pas si c'est compteur prépayé rapidement. Non, 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 problème. Non, presque tout bureau, il y a paralysé, a mis en balai, par exemple. Soit fait 2 mois, peut-être un fil qui coupait. Thomasic fait 2 mois, il n'y a pas de courant. Parce que. Est-ce que il résout ça? Il fait que résoudre. Mais son machine qui s'est mis en balai pour aller ranger.
un fil courant. Je ne pas dire Onisa parce que Onisa les tu as acheté fil là rapide. Ou bien on y va une sous passer, son petit fil lié. Lui qui a fait plus que ça. Ou en besoin là. Au contraire, faut on achète un moteur pour tout plastique. Oui, parce que. Bon, t'as des coups. Non, pas pour on y va pas. Son âme de temps, pas pour on y va. Ok, bonjour, bonjour. Déco, attendez. Et est-ce qu'on suit événement privé pendant les dernières semaines là, et non, en question la police, Fatoum 509, qui, comme parlementaire, qui analyse ou fait succinctement de ça? Parce que moi, il y a une dérive totale, il y a une absence totale, il y a la police là, en crise. Qui lecture vous fait de ça? Alors, lecture, moi, je me dis dans le préambule émission, hein. Donc, c'est la fin d'un projet, c'est la fin d'une histoire pour la police nationale. Parce que même moi, il dit, si pas y a un sursaut qui fait dans les prochaines semaines, c'est au passé, nous pourrions parler de la police. Un moment, un moment. Si je prends ce que tu dis, Déco, comme étant un élément d'avis très sérieux, très élément fondamental de l'analyse qu'on a fait, ça veut dire, ou pas y'a espoir, non, pays va changer parce que nous n'avons pas d'autre force que la police nationale. Si c'est la fin de l'histoire de la police nationale, on va directement, n'est-ce pas, dans le chaos. Et situation chaotique n'a pas permis de nous remonter, fondamentalement notre force. Donc, ou tout dit par anticipation, nous presque à bord de, d'avait dit, d'occupation. Parce que si c'est fini pour la police nationale. Écoutez, et c'est pas que je dis pas espoir, non. Ça fait me dit c'est pas un sursaut. Ok? Mais peut-être, en parlant de éventualité pour ta gagne occupation, c'est peut-être la stratégie, peut-être la toute dernière de Jovenel Moïse. Puisque la réalité, l'en a observé, nous mandine, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est impuissant, régime non impuissant? Est-ce que c'est incapable, déjà incapable? Donc, approchouant, fait me penser, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une politique du régime pour que gagner une énième intervention étrangère dans le pays. Hein? Marco. Bon, et alors, ça qui est important, l'écho, et nous vivons quand même, au sort de là, en situation spéciale dans le pays. Et le pays a fonctionné. Nous avons dit plus ou moins, même dans une parenthèse, oui, à plein régime. Ça veut dire que nous avons un parlement, un sénat, une chambre de députés, une présidence, etc. Donc, nous avons un ensemble de problèmes que nous ne pouvons pas résoudre parce que le problème insécurité. Hein. Et ce n'est pas un problème qu'a posé aujourd'hui, hein, puisque depuis Anel, tu es retourné au village de Dieu en mars 2018, donc ça fait 3 ans. Le sénat a fonctionné normalement. Et Jean-Renel Senatus, qui était président commission justice sécurité et dans niveau Sénat, donc programmé plusieurs séances sous question sécurité, invité directeur de la police, même dit ça là tout le temps, ensemble de séances, ça a toujours fini pour un huis clos et vous n'avez pas jamais résoudre. Maintenant, si là nous avons un Sénat qui a un rôle extrêmement important, nous avons quand même dit de contre-pouvoir par rapport à l'exécutif qui était là en termes de contrôle et que vous pas résoudre le problème. Non? Donc, je dis à l'organe uniquement exécutif là, il ne vient pas être extrêmement difficile. Est-ce que depuis là, ça a tout, nous pas qu'à dire que nous n'avons pas attendu nous que nous arrivions là? Puisque le problème, non, le problème qui ne va jamais résoudre, inviter mini-justice, inviter directeur de la police, ensemble de parlementaires à discuter sous lit. Donc, un pile gros débat fait dans le Sénat sous lit, mais pas jamais une solution. Et ce qui était tellement intéressé la population, nous avons branché le récepteur, le écran, pour aller connaître ce qui a passé dans le Sénat. Et puis, au-delà de 10h30, 11h, séance en fini, gon 8 cloques brun, personne ne va connaître ce qui a passé, séance en fini. Est-ce que nous avons pas prévoir tout qui est là? Et là, nous t'as privé quand même, nous avons privé de côté. Et j'ai dit, donc, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Par exemple, Jovenel Moïse qui m'a dit aide des États-Unis, hein, parce que la Russie dit li prêt pour le venir là, pour le venir de nous mettre sécurité. Et je dis à vraiment, aux yeux du monde, nous rendons compte que nous ne pouvons pas mettre sécurité dans le pays. Hein, et nous-mêmes, tout psychologiquement, nous qui en a vivre. Est-ce que nous avons prévu tout ça depuis la période 2018? Alors, Marco et Parlement, effectivement, t'es gain responsabilité pas li, et Parlement pas toujours mettez la hauteur. Voilà. Mais
par rapport à l'événement qu'on a vécu aujourd'hui, là, M. Jovenel Moïse et ses proches conseillers étaient toujours présentés au Parlement comme le mal absolu. Et on avait même comme l'impression, tout le monde était en présagé, depuis pas gagné Parlement encore, Jovenel Brel fait payer à tout non paradis. Parce qu'à l'époque, il ne se passait pas une occasion d'un discours président de ses proches conseillers, pour ne pas les citer, Guichard Doré et autres, etc., que président a fait ça, président a voulu faire ça, mais il est bloqué par le Parlement. Moi-même, très honnêtement, qui était dans le Parlement, bien que je fais partie de minorité, très honnêtement, je pensais, d'après le petit paradis. Hein, Mais pour ça, monsieur, ce sens de tous les temps, pas seulement sous Jovenel Moïse. Préval. Pas oublier le Préval, Tibless, qui le Parlement. Sous Michel Martelly, monsieur Dapton, qui l'est pour le deuxième lundi 2015, pour prendre décret pour faire élection. Sous Jovenel, même genre. Pour qui sa perception, ça, de Parlement à chaque fois? Ah ben, perception, c'est vrai. Parlement pas toujours mettez là à la hauteur. Mais la perception, c'est parce que, vous avez l'impression que tout n'est qui arrivé dans le palais national là, ils viennent malades de pouvoir. Et Lévin, par contre, gonfolie de dictateur. C'est ça la perception. Puisque M. Jovenel Moïse t'a traité Parlement de tous les mots. Perception, il n'est pas partagé, non? Entre l'exécutif et le législatif. Est-ce que des deux côtés, par chaque groupe, chaque pouvoir, qui t'a remis que tout pouvoir concentré dans le Parlement dit, moi, pour diriger toute bagaille, président dit, pour diriger toute bagaille, et puis, il y a un bras de fer, il n'y a pas qu'à fonctionner. Non, même pas quoi ça du tout. Parce que moi-même, je connais, et nous toujours, ou même avec Gary et l'autre collègue, nous toujours fait des analyses, en tout cas, éclairées. Donc, parfois, évidemment, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas. C'est de bonne guerre. Mais, pourquoi? Ou citer René Préval et président Martelly. Non, monsieur, moi-même, moi, quoi que. Et président Jovenel Moïse, par rapport à deux précédents présidents, ça y est, a bien plus responsabilité devant l'histoire. Puisque, quand même, Marc. Comment expliquer ça? C'est le premier président depuis l'adoption de la Constitution de 1987, avant même l'arrivée président, les disposer de majorité dans les deux chambres. Quand même. C'est plus de 68 députés pendant que M. Jovenel était candidat qui fait pétition, qui supportait, qui même contribuait financièrement, oui. Sur 117 députés, M. Jovenel était en majorité de 93 députés, oui. Sous alors, 20... constitué, mais ce n'est pas en fonction des résultats de l'élection. Mais constitué, mais une majorité. Oui, constitué. Mais une majorité. Oui, au Parlement, c'est la majorité. Ok. Sous 29 sénateurs, à un certain moment, c'est 21. Est-ce que la majorité a qu'à diriger sans moyen? Comment et sans moyen? En tout cas, c'est pas majorité à pas le bon. Parce que son majorité, comment doit pile sacrifice? Son majorité, son majorité, toute la journée, a baissé 100 000 dollars pour laisser. Ou même tout connaît, majorité de guerre là, tout c'est au prix de direction générale, de ministère, de l'Assemblée constituée. Donc, est-ce que vous pensez que dans un niveau ça, on peut dire qu'il y a un résultat? Gary Pierre-Paul Charles Marco. Nous sommes au mois de mars. Il y a un an et quelques mois seulement depuis 50e n'en parle là. Ça veut dire je vous assure, il y a deux députés qui étaient dans la majorité. Jeudi, sous quoi ils avaient dans la roue, ils ont deux fiches gaz, ils sont contents. Ils sont tellement qu'ils n'en pas bon. Et pourquoi? Non, mais parce que tout simplement, c'est pour me démentir cette question qui dit que et pour les gens qui ont fait vote, on comprend, on a 100 000 dollars. Non, écoutez, où on se parle de questions de douane, on me concède ensemble. Ah oui, oui. Quand oui. On 5-10 nègres qui bien sorti. C'est même genre, sous régime Jovenel Moïse. Pardonnez-moi pour ne pas citer non. Oui, même quand on a 10 personnes qui réussissent. Mais attendez, on a net bien. Même pas quoi, je ne vais. Et puis, en bas, Mourinette. En bas, Mourinette, bas, quoi, je ne vais. C'est même pas. Mais genre, qui ça fait ça? Dans ma majorité, ça. Ça fait ça. Donc, le coup, il y a ça qui fait ça. Oui, ça qui fait ça. Arrivé. Ça, ça. Vous avez dit, ça qui fait ça. Bon. Parce que, apparemment, vous avez une majorité. Vous avez une majorité. Apparemment, vous avez une majorité qui a fonctionné. Et toute majorité, c'est oui, majorité. Oui. Ben, ok. Mais, gain de nec, c'est peut-être c'est 250 gouttes l'an, chaque réunion, chaque mardi. C'est ça le vaut. C'est ça le vaut. Mais oui, mais qu'on a l'homme qui vaut 100 000, l'homme pas responsable. C'est ça même. Non, pour 150 000. À la fin de la journée, président, pas qu'à prendre Parlement pour bouc émissaire. Parce que, quand même,
il est de sa responsabilité comme garant de la bonne marche des institutions pour lui-même, pour lui t'a fait en sorte que une législature et que nous comportait comme président, donc il gagnait en collaboration avec législature ça dans le respect. Là, mais c'est là, comme là, si c'est corrompu et corrupteur. Je parle même, ni pas même l'exécution même mal. Après quelques exceptions près. Attendez, bon, nous finis. Une dernière question à poser pour répondre. Et de manière succincte. Et m'a dit tout le monde que Joseph Lambert va mourir. Ok, monsieur était à l'hôpital en République Dominicaine et à l'étranger, disons mieux. Les crimes, et l'aime tant des rumeurs, comme si, comme journaliste, m'écrit lui. Et puis, monsieur parle avec monsieur Dimitri Lapentré. Lapentré dans la fin de semaine, non? Et monsieur promet que la vienne parler dans ce coup, avait dit, m'a contre côté au barré avec la mort, Joseph Lambert. D'accord. Et deuxième bail qui est ça intéressant, m'a contre d'il bon structure qui a fait pétrole dans la place centrale au courant. Non, malheureusement. M'a au courant tout, mais il vient de montrer une structure, moi, toute baïnette, il m'a qui paraître pétroleum. Donc, il dit, ça place centrale, n'a pas cherché qu'on est. Alors, bon, qu'on est dans Boucan Carré, gagné un ancien député de Bouclier, d'ailleurs, qui était directeur cabinet Ignace, qui était gagné un film Yotap exploité dans le niveau Boucan Carré, hein, okay. Zone et Bellevue, si je dis, pour monde qui compte Boucan Carré, dans la deuxième section. Est-ce que c'est de film ça par contre? Tout bas, bon, malgré c'est gardé, donc dans ça. Et puis, troisième bas qui gagne, concernant Calorie Boucher, gagne un bas qui passait pour Calorie. Tout le monde a une note qui sortit. De un substitut commissaire gouvernement qui a annoncé qu'il y a tant pour mener Calanri Boucher en état. Le gouvernement n'était pas au courant, le commissaire du gouvernement n'était pas au courant, c'était une initiative personnelle de substituat. Vous comprenez? Si je dis mener le bon moment, mettez le bon. Donc, suite à cette situation, il prend décision de mettre monsieur en disponibilité, mais ce n'est pas disponibilité, c'est révoqué ou révoqué. Là, à mon avis, révoqué ou révoqué. Dernière question, j'aime bien content. Je t'ai copié sous ministre justice, si, peut-être. Attendez, Ligo. Non, mais tu sais, quelques questions éclairs. Combien de fois vous voyez décret loi électorale là, dans le Parlement pendant ce jour-là? Combien de fois? Une seule fois. Qui ça fait élection pas organisée? Qui problème qui dégaine? Ah ben loi t'es allé de façon administrative. Pourquoi me répondre question ça avec Marco déjà? Mais pas déjà me présenter à l'Assemblée parce qu'il y a une procédure. Vous comprenez ça très bien? Oui, c'est que mais... quand l'exécutif ou la présidence envoie un projet de loi, c'est un envoi administratif. Pour que cette loi ou projet de loi soit réputé devant Parlement, on ministre qui vient présenter. Or, il se trouve que la présidence Voguel, deux mois après, il a jeté le gouvernement séant. Donc, le ministre Woody Ali. Attends. Il a jeté le gouvernement de Jean-Luc Séant. Donc, ministre justice, là, doit le faire exposer des motifs projet de loi, il va pas le faire, puisque un gouvernement démissionnaire pas gagné en tout en Parlement. Donc, c'est Jovenel qui fait exprès, qui jette séant pour être capable de pas présenter ça pour élection parfaite. Et est-ce que c'était raison ça qui fait au TGTCA? Mais la vérité, c'est que exécutif, là, contrairement à l'information qui conduit ce Parlement pas de voter loi électorale, oui, c'est faux. Parce que officiellement, il n'y a pas présenté. Depuis là, pas jamais de bagage comme ça. Et c'est tellement vrai, les collègues de la majorité, permettez que me citer nom, député Alfredo, Benoît Laguerre, Romel Bogé et député Hippolyte, les arrivés au moment, pas jamais qu'à un gouvernement, ils ont même fait une tentative pour transformer projet de loi en avant-proposition de loi. C'est comme si c'était une initiative et de Parlement pour être qu'à voter. Bon, et pour qui ça soucie, les ministres pas de présenter? Non, projet de loi, il y allait dans le Parlement. Maintenant, bureau a été gagné pour l'inviter ministre. Ministre tombé. Ok, ministre tombé. Et qu'on a appris ça, tu veux un ministre? Non, il n'est pas bien rentré dans le Parlement. Donc ça veut dire c'est un bail conjoncturel qui fait élection pas de fête. Mais qui fait loi pas jamais voter. Donc c'est pas de manière express que M. Pat organise l'élection. C'est la responsabilité de Jovenel Moïse qui sait qui avait instrumentalisé sa majorité pour jeter CA. Mais c'est de sa responsabilité. Tout le monde connaît. Qui est-ce qui t'a jeté ça? Parce que c'était pas seulement de la majorité, c'était aussi la minorité. La minorité? Ah non. Non.
Non, qui ça fait nous t'ai accepté séance parce que nous pas nous fait en balle pas fait. Et c'est pas vrai du tout. Séance tout écrasé. Non, moi pas d'accord. Et bon, peut-être que vous gagnez pas de tout. Mais attends. Depuis de police. Bon fini. Oui. Tout le monde qu'on voit député majorité ou bien minorité, les au pavé on bail dans parlement nous ça qu'on fait. D'ailleurs, ou ton député influent très dans minorité a très influent et moi-même de converser en ce qu'a fait en bas nous pas les séances là nous craser ça nous empêcher le fait non c'est au niveau de la chambre des députés oui non quand les séances non oh. Pas on craser séances on a des séances qui retardé non les séances qui reporté non et non écoutez séance sans rep on séance qui reporté le pas craser quand même il pas fini OK mais pas fini oui pour qu'ils annulent quitter séance. C'est en fait, et ça, une question à ça. Pour qui ça nous a quitté le fait? Oui. Mais nous-mêmes, écoutez. Nous-mêmes qui sommes en minorité. Non, mais on dit pour qui ça nous a quitté le fait? Oui. Nous sommes prêts pour que nous allions en débat? Nous jetons ça. Élection pas de fête, c'est pas ni opposition qui t'empêche le fait, non, c'est pas pour qu'il y ait problème noir électoral tout non. Problème non, parce que président Jovenel pas de perdre majorité, il gagne dans le Sénat. Et ils trouvent une compromission avec le Sénat. Parce que sous 10 sénateurs qui étaient doués aller dans l'élection, pour l'élection 2018, yo, 8 là-dedans, yo, t'es dans la majorité président Jovenel. Donc ça veut dire, bon ben c'est un truc qui complice. Mais certainement. Mais oui. D'accord. Ah, mais Jovenel n'est pas seul. Mais écoutez, m'pas dit Jovenel seul. Non, mais c'est ça que fait, c'est ça que fait en pile fois dans la première analyse où ça fait là, ou citer deux partis tant qu'au bouclier ou qui doit l'autre, etc. Ah ben, Jean-Alain Tunier dit que la nation demande des comptes. Depuis qu'il y a l'élection là, c'est pas seulement l'échec de Jovenel Moïse. Hein. Ah, on dit ça. Attends, dis-le qui m'a mis à l'élection. C'est comme si deux nègres, c'est comme si c'est contre Pilate qui n'a pas au pouvoir. Non, David de Gaulle, nous sommes en 2017-2018, tout. Oui. Tu as gagné président, tu convoqué parlement sur la chambre des députés à l'extraordinaire pour te voter et trois membres pour te former conseil électoral permanent parce que pas d'élection très bien tu es un conseil électoral permanent que le parlement non seulement te convoqué à l'extraordinaire et qu'il te déplace uniquement sous menu qui gagne la convocation à l'extraordinaire là ou faire demander si me trompe moi c'est sous menu où te déplace c'est qui ça fait toi ça va bien nous sommes nous invité le président Garibaudeau qui était dans majorité parce que moi même tout toujours dit mais pour qui ça va ça pas de fête. Ça qui passait dans village de Dieu côté opération policière à fait soi-disant gagné de policiers qui mourit jusqu'à présent y'a pas qu'à récupérer corps policier ça y est mais à l'issue de soi-disant opération policière ça nous constater gagné yon cadre dans la police là qui lui-même en isolement ou en prison alors que de monde qui yon même tout te fait partie de chaîne commandement dans opération ça gagné qui adressé yo à la radio, à la télévision, pour ne pas le citer, le directeur général de la police, mais gagné yo transféré dans d'autres régions. Donc voilà on ensemble d'événements qui montraient que la police là les pas en ordre de bataille et la police non lit en crise maintenant par rapport à ça qui a privé dans la rue Port-au-Prince en tout cas s'agissant de fantôme 509 nous mêmes dans niveau et Kadowa et dans niveau opération tête ensemble nous toujours adopter principe ça. Nous toujours condamner violence dans quel que soit côté violence dans souti. Et Kadowa opération tête ensemble,
nous condamner, nous dénoncer avec la plus grande sévérité deux actes de violence et de perte en vie humaine qui fait. Cependant, au niveau Kadoa et opération tête ensemble tout, nous pas capable pas fait constat ça. Constat, c'est que entre autres institutions ou autorités qui traitaient policiers fantômes 509 de organisations criminelles ou de terroristes, outre les autorités de ce gouvernement, de ce régime, mais nous avons également les autorités américaines à travers l'ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince. Ah ben, nous-mêmes nous disons au niveau Kadoa, au niveau opération tête ensemble, communiqué ou note de presse de l'ambassade des États-Unis, hein, l'y traduit pour nous un constat d'échec. Un constat d'échec des États-Unis d'Amérique s'agissant de la police nationale haïtienne. Pour qui ça nous dit, pour nous, son constat d'échec, puisque l'ambassade ou les autorités américaines, c'est comme si vous avez l'impression, pour moins utiliser le proverbe haïtien, ça, c'est comme si vous quittez cet œil là, vous quittez moi, ou à prier côté cet œil là. Nous au courant qui niveau d'implication pays les États-Unis dans police nationale loin. C'est peut-être une vérité que nous pas t'adoué dit, mais il n'est pas un secret pour personne que la police nationale loin parfois les plus dépendent des directives de l'ambassade des États-Unis que du palais national. Et il est souvent rapporté et confirmé que on n'est pas capable d'arriver comme directeur général la police si pas gagné adhésion, le OK des autorités américaines, tout au moins autorités de l'ambassade américaine. Et nous, qu'on est en matière logistique et en termes de formation, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit la France, eh ben, c'est eux-mêmes qui, en tout cas les promoteurs, s'agissant de formation et même approvisionnement police nationale. Là. Donc, si jeudi, hein, la police là li en voie de disparition, si jeudi, hein, nous gagnons cette crise au sein de la police nationale, moi quoi que la probité pas capable fait des autorités, en tout cas américaines, évidemment avec tout respect que nous gagnons pour eux, mais ils sont pas capables de jouer en Ponce Pilate, sorti communiqué et traiter fantôme 509 de organisation criminelle. Évidemment, au niveau de Tête Ensemble ou Kadoa, nous pas gagné pour que nous dit et oui ou non à partir de qui ça yo défini, c'est pas ça qui préoccupationne. OK, mais même gens avec population, avec le monde qui dans l'opinion, nous constater des interrogations. Comment expliquer que l'ambassade traite fantôme 509 d'organisation criminelle alors que gagne fédération de gangyo, gagne gangyo qui au vu et au su de tout le monde parfois fait manifestation à date, peut-être si me tromper m'a demandé rédaction scoop là corriger m'poko gagne lecture de note de l'ambassade américaine qui traitait hein, au même titre que Fantôme 509 là de Gang Sayo comme des organisations criminelles. Donc, alors, donc ouais, il va falloir en tout cas
pour les autorités américaines yo clarifié. Donc nous dit encore dans niveau tête ensemble, dans niveau Kadoa, notre préoccupation c'est pas qualificatif là. D'accord, okay. Nous tout simplement dit il s'agit pour nous de un constat d'échec. Puisque les États-Unis, en tout cas, c'est un acteur qui est très impliqué, en tout cas, au sein de la police nationale. Très bien, donc c'est ma dernière question, puisque nous avons président Jean qui va arriver. Je sens qu'il y a une question ça, pour la majorité politique que m'a invité, enfin, n'a bien comme invité dans l'émission ça, puisque dans la dernière semaine, ça, nous remarquons que le dollar américain, malgré l'injection que la Banque centrale fait, et nous, ouais, que dollar américain en tout côté dans la rue, on l'a monté. Dans la banque BRH, mettait le presque 80. Et dans la rue, on vient de côté, l'a fait 100 déjà. Il y a de côté, le presque a fait 100. Donc maintenant, qui position Kadoa, le gars de l'oué, qui sont dollar américain, ça a quitté 120 gourdes. Et je dis, hein, qui, en fait, à un moment donné, le gouvernement a pris une décision avec la Banque centrale, tu es descendu en 62-65, même si l'économiste yo t'es clairement dit que c'était incompréhensible, parce que il n'y a pas qu'à comprendre ça que fait là, mais c'était un coup politique. Mais je dis, hein, ça, on n'a pas qu'à comprendre, non, la retourner dans la place encore. Au niveau de la politique, qui ça nous pense? Comment comprendre question dollar ça? Un, population pas gain droit avec elle, sinon que leur voyer le pouli et faut qu'ils ont compte en banque. Donc, je dis, c'est banque qui a géré dollar en Haïti et même mon banque qui a pas gagné une compte. Donc, comme ça, selon nous même au niveau de la politique, nous qui a fait politique dans le pays et qui a réfléchi tout sur l'économie paysan, comment on a droit nous comprendre problème dollar posé dans le pays qui. Que moun pa ka jwenn et ti côté lié dans la rue, comment c'est fait ça dans plusieurs zones dans pays. Bon, ben nous même lecture nous fait dans niveau Kadoa, dans niveau opération tête ensemble, c'est que nous en affaire avec un pouvoir qui vraiment pas gagné aucune préoccupation, aucune sensibilité de problème, même problème qui primaire de moun qui pibayo de maslan, puisque nous rappelons effectivement question dollar ça dollar goudlan, d'évaluation dollar goud, lorsque il était presque arrivé 125 goud, 120 goud pour 1 dollar, ben t'es gagné une décision que banque centrale t'es prend. Et décision ça, c'était une décision, je dirais, factuelle, qui te permette te gagner en sorte de ralentissement de course dollar par rapport et à goudlan, mais économiste te dit effectivement c'est une décision cosmétique, c'est pas une décision cap gagner en tout cas un impact dans la durée pour permettre une certaine stabilité dans taux d'échange là et même de profanes, ça veut dire de monde qui pas gagné gros expertise, gros connaissance dans les questions économiques, t'es déjà comprendre ça, puisque nous c'est un pays qui pas produit, nous sommes un pays qui pas en tout cas exporté grand chose à l'étranger, nous importer pratiquement presque tout ça n'a servi, tout ça n'a consommé dans le pays, hein. Donc, de ce point de vue, pas gagné aucun moyen scientifique qui pour permettre goudlan lui résister par rapport à dollar. Rajouté à cela, il y a une politique, son politique comme si c'est et gros cap manger petit dans question dollar good ça et n'en déplaise avec de monde qui croit que le président de facto Jovenel Moïse lit en face ça nous relait les oligarques. La réalité d'ailleurs, c'est la question du dollar et la goud sont exemples qui montraient que c'est un pouvoir qui
quitter oligarque yo fait ça yo vle la réalité la question dollar goud ça c'est en réalité qui montrait que oligarque yo yo tellement en tout cas confortable avec régime nan ben yo gagnent de facilité et que l'utilisation du dollar yo carrément accaparé et c'est ce qui explique effectivement rater ça qui gagne hein, ou gagne l'impression et moun qui na classe moyenne ça qui était au classe moyenne non et classe qui pi ba lui-même jour en jour hein ben dollar livine on luxe pour lui même lorsque gon transfert qui fait de l'étranger pour bail dollar ben ouais autorité yo te prend on décision décision gagner le monde qui était assez naïf qui était pensé c'était pour favoriser les plus pauvres mais non nous venons comprendre que c'est carrément un pouvoir qui te dit monde qui n'a masio yo pas gain droit avec dollar donc c'est goudlan qui ses oreilles bourriques c'est à ça seulement yo gain droit encore que yo pas même gagner possibilité pour yo joigne. En fait, et pour équipe ou la donne à député, moi je vais pas opposition d'une manière globale. Et bon, le président Jovenel était de parti le 7 février 2021. En tout cas, en fait, le constat c'est que il est là. Mm-hmm. Il est tellement là, il dit année ça c'est une année pour référendum, son année électorale, son année également pour que il continue. Et selon lui-même, en fait, il met et lumière permettre que mon yo ouais et lumière dans le pays. Maintenant, est-ce que nous, on dit dans l'hypothèse que, parce que la politique est dynamique, on dit dans l'hypothèse que monsieur finalement est arrivé à organiser l'élection, si techniquement tout le bagage est OK pour organiser l'élection, et qui voit l'éventuelle position nous au niveau de votre équipe? Alors, ou rappeler non questionnement ou non et groupe l'opposition ou l'opposition hein t'es dit monsieur Jovenel t'es doué parti 7 février 2021 mais il est encore là en tout cas et juste une petite clarification c'est pas l'opposition qui dit monsieur Jovenel t'es doué parti 7 février 2021 c'est la constitution c'est la constitution en son article 134.2 et moi crois que depuis avant et depuis le 7 février que ce soit ces trois universités américaines par quoi gagne monde qui a pensé yo gagne de liens privilégiés avec l'opposition haïtienne c'est des chercheurs qui yo même analysé et au regard justement de analyse constitutionnelle de les paramètres en tout cas constitutionnels des lois tout monde rendio compte selon la loi selon la constitution ben monsieur Jovenel n'est plus président constitutionnellement depuis le 7 février 2021 il est là oui c'est une réalité c'est un président de fait. C'est un président de facto, son président illégal. Donc, monsieur Jovenel, le 7 février, en tout cas, s'est transformé comme un chef de coup d'État, l'y décidé, en tout cas, sciemment, délibérément, pour le fait de l'y on hors la loi, et puis l'y rété sous pouvoir. Maintenant. Il y a une référence constitutionnelle, tout de même. Laquelle? On va dire, l'article 134-1. Mais non. Ah oui, c'est ça, il va avancer. Non, il n'est pas capable de gagner, et m'quoi là, gagner élément de réponse qui baille encore. L'article 134.1, l'y existait. L'article 134.2, son article dérogatoire. Et l'article 134.1, l'y parlait de la durée du mandat présidentiel qui est de 5 ans. Mm-hmm. Mais je tiens à rappeler, pour moun qui peut-être oublié ça, dans la même constitution, hein, où gagné un article qui dit la durée du mandat du député est de 4 ans.
gagnent des députés qui fait seulement 3 ans parce que tout simplement législature a été commencé et pour des retards qui étaient gagnés dans l'organisation élection yo yo fait 3 ans alors que durée mandat yo c'est 4 ans. Ben il en est de même pour le Sénat de la République, gagnent un article dans le chapitre traitant du corps législatif qui dit la durée du mandat du sénateur est de 6 ans et gagnant de sénateur qui fait seulement 4 ans. Donc voilà, quoique c'est un peu chicanière, moun qui prend article 134.1 ça seulement comme référence pour justifier le maintien au pouvoir de monsieur Jovenel Moïse. La réalité c'est que monsieur Jovenel Moïse son président de facto, son président illégal, donc c'est au moun qui accaparait le palais national parce que l'y disposait en tout cas du monopole de la violence, l'y gagnait USGPN avec l'y gagnait la Fédération des gangs ensemble avec l'y gagnait BSAP ensemble avec l'y, bref, toute une série de milices, de corps armés, de corps paramilitaires qui existaient dans le pays. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, l'y gagnait un projet pour organiser référendum, l'y gagnait un projet pour organiser élection. Nous autres, au niveau de l'opposition, nous l'avons toujours dit, nous prêts pour aller dans l'élection. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Mais nous dit, nous pas prêts à aller dans l'élection si pas gagner condition qui réunit. Est-ce que gagner majorité moun qui gagnait carte pour y aller participer à l'élection? La réponse est non. Est-ce que aujourd'hui, au niveau du territoire national, gagner des conditions acceptables de sécurité pour que gagne l'élection? La réponse est non. Au début de cette émission, nous avons débattu sur la police qui est en voie de disparition, sur la police qui est en crise. Donc, qui c'est comme institution de sécurité qui l'a pour assurer la quiétude des votants, qui l'a pour assurer quiétude ça? C'est-à-dire la police. Ah ben, voilà. Mais la police lui-même lit en crise. Donc, est-ce que gagner un conseil électoral qui était monté selon les normes? La réponse est non, pas gagner. Donc, c'est que M. Jovenel Moïse, voulait organiser référendum, c'est référendum pas monsieur Jovenel Moïse et peut-être avec ses acolytes. Monsieur Jovenel Moïse voulait organiser élection, c'est peut-être élection pas monsieur Jovenel Moïse et ses affidés. Mais pas gagné aucune condition objective qui réunit pour que gagne élection d'un pays. Donc nous autres au niveau de l'opposition, nous réaffirmer encore une fois, et c'est ce que nous disons avec nos amis de la communauté internationale. L'opposition Val, depuis pratiquement 2020 et jusqu'à ce présent moment, si gagne un groupe qui fait plus concession, c'est l'opposition. C'est-à-dire nous sommes en tout cas des groupes de l'opposition qui, au thème de discussion, adopté un accord. Et dans l'accord, ça, il était question d'une transition de 2 ans. Eh bien, l'opposition, je dis là, pour montrer que nous, pas de monde qui obsédé pour prendre pouvoir n'importe comment, eh bien, nous revoit à la baisse, en tout cas, cette projection pour une transition de 2 ans. Nous dit, nous sommes prêts, disposés pour aller dans l'élection. Nous gagnons ensemble de préalables, en tout cas, des engagements qui te prend dans le niveau peuple haïtien, hein? Petro-Caribé, par exemple. Et procès d'une série de massacres à côté gagner le monde qui mourit et l'international, que ce soit à travers les États-Unis, les Nations Unies, reconnaître que c'est des massacres. Ah ben,
nous dit question ça c'est des préalables. Eh ben depuis au cas fait dans un temps où gagner de mise en place qui capable fait, eh ben si c'est élection qui prioritaire qui indispensable, eh ben nous dit dans niveau l'opposition, nous ne sommes pas obsédés par en transition. Eh ben mettons en place les conditions pour que élection ça yo faite. Donc au moment où nous parlons, pas gagner condition ça yo, et pour qu'il y ait élection, ben faut d'abord moun qui appelé pour organiser élection ça yo, toujours est-il, faut que yo doté de statut, de qualité, de légitimité pour yo organiser élection ça yo. Donc voilà le débat aujourd'hui. Donc si je suis bien débat des cours content ou là et on est m'tap suivre m'tap tendre moi m'daremé et rentrer dans l'autre forme d'analyse avec de façon à ce que nous cherchions un petit pour bye là un relief en plus parce que nego déjà abordé on sait le sujet important avant m'daremé mandé l'autre candidat au Sénat ou perdu élection sous qui président ou perdu élection perdu élection sous la présidence de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Est-ce que c'est Jovenel qui faut perdre l'élection? Damo expliquer pays a parce que dans le plateau central tout le monde sait que vous avez gagné les élections. Est-ce que c'est Jovenel qui t'a fait perdre ou du moins qui est-ce qui t'a fait perdre l'élection? Comment ça s'est passé? Et c'est pour ça que femme d'armes analyser l'autre question. Et Gary Pierre-Paul, en tout cas, j'essaie d'être un homme d'État. D'État. Mmh. Je suis un opposant connu à Jovenel Moïse, tout mais je voulais garder une dimension d'homme d'État. C'est-à-dire, le président Jovenel Moïse, en deux occasions, m'a fait les confidences pour ne pas dire des mea culpa. Je m'arrête là. S'agissant de mon élection sénatoriale. Donc, est-ce que... Je ne dirai pas plus. Exact. Donc, ne mea culpa le faire. Est-ce que M. Dio que t'es pour? Est-ce que M. Dio que c'est pas lui-même qui t'a fait perdre l'élection? Est-ce que M. Dio quand même c'est où que t'es gagné l'élection? Je ne dirai pas plus. Mais il m'a fait des confidences et des mea culpa. Pas de problème. Et je prends à témoin l'ancien sénateur du Sud, Hervé Foucault. Hervé Foucault. Moi également, j'ai pris note et m'a dit pour tout le monde prendre note. Aujourd'hui, deuxième aspect que j'ai abordé avant la question. Comme nous sommes députés. Deuxième mandat. Ou qu'on a pile bagaille, qu'on a pile bagaille qui passe devant. Est-ce qu'on a dit, les mecs qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui ont cherché le même discours avant, parce qu'on n'a pas jamais au pouvoir, est-ce qu'on a expliqué, qui est la raison qui fait que ça n'a pas joué venir encore? Alors, comme, ou t'es comme député ou sénateur, parce que le jour venait arriver sous pouvoir, t'es gagné un ensemble de compromis de tête qui t'a fait, mon seuil de partage de pouvoir que t'as fait. Mm-hmm. Et ou pas de ta donne. Ça que passe, vous dit. Écoutez. C'est peut-être que, bah, peut-être la personne indiquée qui peut ta répondre question ça. Parce que, pas qu'à, dire que, au parfum de toute réalité, yo. Mais, et comme mon cap fait est politique, et la politique est dynamique. Mm-hmm. Et l'aime dire la politique est dynamique. Moi-même qui est dans le studio à là, il y a 7 ans dans le premier mandat, j'étais dans la majorité. Proche pouvoir. Maintenant, j'ai claqué la porte. Ah ben, légitimement, il y a le monde qui toujours a posé de questions. L'aime dire le monde, que ce soit de confrères journalistes, que ce soit de monde qui dans l'opinion, mais c'est à bon droit. Oui. Donc, il est de ma responsabilité et toujours dit, oh, voilà pourquoi moi, à un certain moment, t'es dans majorité de régime ça, et même pour qui ça, moi dans l'opposition. Ok? Donc, c'est pour nous, Moun Sayo qui, peut-être au début du quinquennat de Jovenel Moïse, était ensemble avec lui, peut-être qu'il a gagné de bonnes raisons, hein, ou peut-être de mauvaises raisons qui fait qu'il a quitté. Donc c'est à eux-mêmes, peut-être, qu'il a élucidé ou qu'il a classé. Mais ça me donne besoin de comprendre. Là, on est soutenu au pouvoir, et
gagner un budget, gagner un ensemble de corps qui a entré dans l'État, gagner un projet, ensemble de projets Petro-Caribé, etc. Ou associons à pouvoir, à gouvernement, ou aller ou représenter soit commune, soit département, ou mettre nous à dépenser comme ça, ensemble à régime, ensemble à pouvoir, ou mettre frère, ou mettre amis, ou prendre la parole devant tout le monde dans quatre dossiers Petro-Caribéen, ou bénéficier de lui. Et puis maintenant, gagner des problèmes en tout même avec mon régime, non, ou claquer la porte, et vous dire contre comme Petro-Caribéen, pendant ce temps, comme ça, il construit hôtel, comme ça, il fait mon argent, comme ça, ou dépenser la donne. Et puis c'est aujourd'hui, qui n'est là où, c'est pas des collines, attention. Qui n'est là où, cap dit bon comme Petro-Caribéen. Donc, faut nous parler à pays pour qu'on ait l'argent, ça t'a dépensé. Qui m'ont quitté au pouvoir et qui m'ont quitté associé à régime. Et ça fait, moi je suis pour un procès, un véritable procès, avec implication de tout secteur, tout le monde qui était dépensé dans comme ça et qui était soutenu le régime pendant un moment. Et je dis à moi, on est dans la rue, il a dit, faut que je vienne aller, Michel Matéli, pas bon. En deux mots, Gary, par rapport à question ça, évidemment, nous avons toujours disposé en pile d'informations comme journaliste enquêteur. Il est vrai que Voltaire dit le génie n'a qu'un siècle. On prend exemple ensemble avec vous. Dis-moi. Si Abel Les Collines, qui gagnait niveau de popularité comme gagne un journal jeudi à Namien Balay dans le plateau central, si dans un an, en tout cas, même mes plus proches, ils ont quitté. En vérité, problème, non, c'est pas monde qui quitte mieux, ou quoi, c'est moins de problème, non. Même si, attendez, même si, vous-même, vous avez participé, non, ça, il y a un propos chaud, là. En effet. Ok. En tout cas, ce que je constate, au début du quinquennat de Jovenel Moïse, et à Jovenel Jodian, là, 80% de monde qui était ensemble avec lui, qui t'aime. Donc, à mon sens, le problème, c'est Jovenel Moïse. Mbadi Moun, ça y est, un odeur de sainteté, non? D'accord? Mais le raisonnement, quand même, le raisonnement logique, quelqu'un qui est président de la République, qui est aux commandes, qui est au pouvoir, et que au début de votre quinquennat, où tu es gagné ensemble de monde ensemble avec vous, journée jeudi, 80-90% de monde, ça y est, qui tôt. Donc, on ne sait pas quoi c'est yo qui forcément problème, non. On pense que M. Jovenel est le problème. Et dis-moi, maintenant, qui problème ou dénoté que Jovenel gagne lui-même? M. Jovenel est en fin de mandat et il est aujourd'hui président de facto. Je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Jovenel, pourquoi je...